Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, présentation, test, installation du capteur d'humidité, capteur d'inondation de chez Xiaomi, donc de chez Akara, de Akara et Xiaomi. Donc, petit déballage ici, manuel sûrement encore en chinois, la boîte, bah, elle ressemble comme toutes les autres Akara. Donc c'est vraiment tous, ils sont vraiment tous identiques, même épaisseur, même format. Donc, manuel en chinois, il n'y a rien de spécial. Donc, bien sûr, il vous faut, comme ils disent ici, le gateway, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui aussi, petite mise à jour de Miome en 5.1.1. Donc c'est juste des optimisations supplémentaires comme d'habitude. Ils améliorent tout ce qui est commande vocale. Mais bon, pour les Chinois, pour nous ici en Europe, ça n'a pas vraiment d'utilité pour l'instant. Donc le temps que Xiaomi s'installe. Donc pour rappel, les gateways, toujours le serveur chinois pour l'instant. Dès qu'il y a du changement, je vous le signalerai tout de suite. Donc maintenant, connectons ce capteur-là. Je ne sais vraiment pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas de bouton. Donc il y a une pile, c'est une pile CR 2032 fournie dedans normalement. C'est très léger. Si vous voulez voir un peu, c'est du plastique. Du plastique. Donc connectons-le, allons-y. Donc je vais mettre à jour ici sur la tablette, parce que quand il y a une mise à jour, il faut mettre sur tous les différents appareils qu'on a. Donc connectons-le, donc on va faire... Donc, je vais encore rajouter sur la centrale de l'étage. On va mettre device, ajouter un shield device. Ici, Akara. Donc faites attention parce que là, le logo, ils n'ont toujours pas changé malgré la mise à jour. Hop, installé. Voilà, donc immersion sensor. Donc capteur d'immersion. Comment il faut faire? Ça, il faut appuyer. Ah, voilà. Ok, c'est spécial. Donc, au fait, ici, c'est comme un bouton poussoir, mais on ne le voit pas. Il faut oser appuyer dessus. S'il ne me l'avait pas dit, jamais j'aurais osé appuyer ici. Donc, c'est très intéressant. Donc, on ne voit pas de bouton. Et ce n'est pas un vrai bouton. C'est pas un bouton sensitif ici, c'est solide. Donc, il faut vraiment appuyer. Et il y a une petite lumière qui est apparue bleue, comme vous avez vu. Donc ça, je vais mettre dans garage, parce que là, c'est là qu'il y a mon ballon d'eau chaude. Garage, bon, c'est bon. Ok. Voilà, donc garage. C'est bizarre, ouais, peut-être mon gateway d'étage, il n'a pas toutes les pièces. Bon, ça, où ça vient d'apparaître, je ne sais pas. Device, donc le nom est tout. Tout ici en chinois, on va le changer. Donc je vais mettre capteur inondation voilà, voilà c'est tout hein. Je vais pas rajouter autre chose. Voilà, il est rajouté. Bon, c'était très simple. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... Bon, il y a un bouton comme ça, mais il n'y a pas vraiment de... Donc c'est vraiment étanche, je suppose. Donc rentrons dans les paramètres. Donc on sait faire des scènes aussi. Bon, on peut demander qui nous prévient. Induction, linkage, gateway, alarme.
Auto, donc ça c'est OK. Général, capteur inondation, manège location, garage, OK. Bon, rien de spécial, c'est comme les autres capteurs. J'ai ramené, bien sûr, un bol avec de l'eau. C'est un capteur d'inondation. Voyons si je le submerge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reçois une alerte? Est-ce que j'ai rien programmé pour l'instant? Oh, il est vraiment tombé. Ah, ça fait sonner, mon gateway d'étage. Donc, il est en train de sonner l'alarme du gateway. Et ici, j'ai reçu une alerte qui dit... bon, on l'a pas bien vu. On va peut-être le voir ici. Ou sur l'autre. Parce que j'ai reçu une alerte aussi ici. Allons voir. Caméra cuisine, caméra salon. Bon, non. J'ai pas reçu d'autres alertes. Et ici, bon, il était marqué capteur d'inondation. Hein. Et l'alarme, elle vient de s'éteindre. Donc, je vais ressortir de l'eau. Bon, apparemment, il flotte. Ça flotte. On va le sécher. Et bon, ça a bien réagi. Ça a fait sonner le central d'alarme, donc le gateway. Donc comme s'il y avait un individu qui rentrait chez soi. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, pas d'eau qui est pénétrée à l'intérieur, apparemment. Bah, heureusement, sinon... Bon, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'était Dagodor One pour le capteur d'inondation de chez Akara Xiaomi. À la prochaine! Yeah. Like the attention, girl, I know you.